retrouve, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quand dans ce vlog, je ne sais pas trop où on en est. En tout cas, là, on est le 2 février. J'ai pas trop vlogué ces derniers temps parce qu'en fait, on a fait un petit peu comme on a pu au niveau de l'organisation, vu que ma fille était positive. Alors, ma maîtresse a été malade, ensuite elle est revenue, ensuite ma fille a été positive, donc on s'est fait confiner. Voilà, tout va bien, je vous rassure. Moi, je suis toujours négative. Pour l'instant, le virus ne veut pas de moi, tant mieux, je touche du bois. Donc du coup, ça a un petit peu chamboulé toute mon organisation, qui n'était pas spécialement bien carrée. Je voulais la faire bien carrée en janvier, et finalement, j'ai même pas eu le temps de me poser pour le faire. Ça, c'est une chose qu'il faudrait d'ailleurs que je mette en place assez rapidement. Et en fait, je vous parle d'un nouveau projet sur lequel je débute parce que... Enfin, je débute pas, je le reprends. C'est un projet avec Sylvie Lavoie. Alors Sylvie, vous la connaissez déjà si vous me suivez depuis un certain temps. Parce qu'ensemble, on a fait l'oracle des haïkus. Donc on a fait ce jeu-là ensemble. Et on a travaillé ensemble sur la petite boîte des haïkus. Voilà, ce sont deux jeux qu'on a, sur lesquels on a travaillé ces dernières années. On avait travaillé sur d'autres livres il y a fort fort longtemps, des livres pour enfants, ensemble. C'était très très chouette, donc ça fait un moment qu'on se connaît avec Sylvie. Et on avait un projet il y a à peu près 2 ans, pile au moment je pense qu'on s'est fait confiner. Je sais plus très bien, je crois que c'était à cette période-là, donc ce qui a complètement tout chamboulé. Et je le reprends que maintenant. Alors oui, je suis un petit peu à la ramasse, je vous l'accorde. D'autant plus que j'avais fait des illustrations que je vous avais montrées, qui étaient celles-ci. Et ces illustrations, en fait, c'est de la peinture. Vous voyez, c'est de l'acrylique. Seulement, je pense que je vais tout reprendre. Tout ce que j'ai fait, en fait, je vais le reprendre et je vais le faire à l'aquarelle. Parce que ça va être... Enfin, je suis plus dans ce mood en ce moment d'aquarelle. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps ni l'espace pour sortir toute la peinture acrylique aussi, pour faire ce travail-là qui me demande plus de... qui demande plus de temps et plus d'espace aussi. La peinture acrylique, on en met plus facilement partout. On travaille plutôt sur un chevalet, bon... Dans ma tête actuellement, l'acrylique est plus contraignant que l'aquarelle. Dans ma tête. Hein. l'aquarelle, là, je sors mes petits godets, ça prend pas trop de place, je peux travailler là sur mon bureau. Si on a des visites, parce qu'on cherche toujours à faire vendre, à vendre bien sûr la maison, c'est assez facile de le ranger. Ça met beaucoup moins de traces partout. Voilà, donc il y a ce côté pour l'instant où je me contente aussi de l'aquarelle. Je prends beaucoup de plaisir en plus à travailler avec l'aquarelle. Je trouve que avec tous les projets, entre le tarot renard, le bout tarot, il y a vraiment quelque chose, un lien qui s'est créé aussi avec ce médium, et j'ai vraiment envie de continuer à travailler dessus. Ça me semble plus en adéquation en tout cas avec moi actuellement. L'acrylique, j'adore ça, c'est une des techniques, c'est ma technique chouchou. Mais c'est une technique dans laquelle j'ai vraiment envie de plonger, en fait, quand je sors. C'est-à-dire que j'aime en avoir partout. J'aime mélanger les couleurs, j'aime travailler les couleurs, j'aime faire des pâtés, j'aime vraiment la texture, j'aime le travail, revenir dessus plusieurs fois, donc ça me demande plus de temps, plus d'investissement, plus d'espace, plus de bazar. Et en ce moment, je me limite un petit peu au niveau du bazar parce que je sens que je suis pas assez, entre guillemets, stable dans ma vie pour me rajouter du bazar en plus. Ouais, y a encore trop de contraintes administratives qui n'ont pas été finalisées et gérées. Y a trop de choses encore qui sont en attente d'un point de vue factuel, hein, administratif, factuel et tout, qui me demandent... Si vous voyez mon bureau, en fait, j'en ai partout autour de la paperasse. Et tant que tout ça, c'est pas réglé, je me sens pas libre, en fait, dans ce mode de création. Par contre, je me sens complètement libre quand je sors l'aquarelle, parce que je sais que je le sors, je le rentre, je peux travailler un petit peu, voilà, il y a quelque chose de plus instantané, de plus rapide.
avec le côté aquarelle. Et il y a plein de choses en plus que j'ai envie d'expérimenter avec. Donc je pense que je vais tout refaire en mode aquarelle. Voilà. Mais il me tarde parce que c'est un projet que j'aime beaucoup, que on a travaillé avec Sylvie. Ses textes sont super sympas. Et j'ai vraiment vraiment envie en fait de travailler dessus. Depuis 2 ans, ce projet il est là, il est derrière mon bureau, je l'affiche en grand et voilà, je le prends maintenant. Donc c'est un projet qui est sur la nature, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Sur la nature, ça s'appelle, ça va sans doute s'appeler, hein, si tout se passe bien. Oh ben, je vous le dis pas. Je vous garde la surprise, d'autant plus que je pense que ça va garder ce titre-là, mais comme j'en suis pas sûre, je voudrais pas vous porter à confusion après. Mais voilà, c'est un sujet vraiment, c'est un aura qui traite vraiment du travail autour de la nature, avec les saisons aussi. Donc voilà. Il me tarde, ce mois de février va être consacré à ce projet-là. Et ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le bout à bout. Je vous donne des nouvelles dans le prochain vlog et il y a pas mal de nouvelles que je vais pouvoir vous donner. Et je vous propose qu'on repeigne la première carte ensemble. Alors la première carte, c'était celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup celle des coquillages. Mais j'ai une idée de ce que comment je voudrais la transformer justement en aquarelle. Donc je vais reprendre cette carte-là pour, hop, pour le travail sur les coquillages. Puis je vous propose de qu'on fasse ça ensemble. Thank you.
les amis, je vous montre le puzzle que je suis en train de terminer. C'est un puzzle un peu particulier, car en réalité, c'est un calendrier de l'Avent. Alors, je l'ai reçu après Noël, mais c'est pas grave, je m'en délecte maintenant. C'est une image qui est magnifique, j'ai vraiment adoré l'illustration qui est d'une beauté. Et en fait, il se présente comme ceci. Donc, vous avez la boîte et à l'intérieur de la boîte, vous avez une petite illustration pour faire le puzzle. Et vous avez des boîtes comme ceci. Donc, vous en avez 24. À l'intérieur de chaque boîte, vous avez un petit paquet de puzzle, de pièces de puzzle. Vous voyez ? Et ici, celle-ci, je viens de la faire. Elle correspond, alors chaque emplacement de boîte correspond à la partie du puzzle que vous allez faire. Donc par exemple ici, ça va être ce coin-là du puzzle. Vous avez en 4 le coin du bas. Le 24 va représenter cette partie-là. Et ainsi de suite. Alors je vous montre ça, puisque du coup je vous ai laissé des parties vacantes pour pouvoir vous montrer voilà, la taille en fait des carrés. Voilà, donc chaque jour, vous pouvez faire un petit carré comme ceci. Il me semble, je les ai comptés, mais je ne me souviens plus. J'ai fait ça au début. Je crois qu'on est sur une quarantaine de pièces. 42 pièces, il me semble, par partie. Donc, ça forme un puzzle de 1000 pièces à la fin. Grosso modo, 1000 pièces. Voilà. Et il est somptueux. Et alors ça doit être un puzzle qui doit être très très difficile à faire parce que vous voyez il est un petit peu toujours dans les mêmes tons, donc il doit être très difficile à faire je pense sans le côté calendrier. Si vous aviez le puzzle dans la boîte et vous pour faire l'intégralité du puzzle, mais en fait c'est très très agréable qu'il soit divisé en petits morceaux. Vous voyez là je vous montre par exemple le morceau numéro 24. Et c'est vraiment très agréable parce que vous prenez un petit sachet, vous l'ouvrez, vous commencez à faire les petits bords comme ça, vous remplissez l'intérieur. Ça vous prend quelques minutes par jour, mais c'est quelques minutes vraiment de pure détente. Et le fait que ce soit pas trop compliqué du coup, mais quand même, hein, il faut chercher, c'est pas non plus easy. Mais ça reste vraiment un petit moment dans votre journée qui va pas vous prendre trop de temps. Et puis à chaque fois, vous avez vraiment la satisfaction de réaliser votre petit carré et voilà quoi, 5 minutes, moi je le fais, vous voyez il est sur la table du salon hein. Donc voilà, au petit déjeuner en fait, je sors une petite boîte et je me fais 5 minutes au petit déjeuner, c'est mon petit moment agréable comme ça, en buvant mon thé, et c'est chouette quoi, c'est vraiment très très chouette de faire ce puzzle là petit bout par petit bout. Et ce qui est très bien quand vous allez le ranger, c'est que derrière chaque pièce, les pièces sont numérotées, donc vous pouvez le ranger et le remettre dans les boîtes correspondantes. Voilà, donc là, vous avez le numéro 24. Voilà. Donc, très, très chouette. Hop. Vraiment, j'adore. Je voulais vous le présenter parce qu'en plus de le trouver très beau, c'est vraiment des petits moments agréables de la journée. Je vous mets la référence, hein, comme d'habitude, du puzzle juste en dessous, en barre d'infos. Hein. Et puis, il me tarde de le terminer et de le ressortir l'an prochain. Ça va être super. Bon zut, le son n'a pas pris. Je vous fais du coup un retour post-prod. C'est un nouveau micro que je viens de m'acheter, un micro sans fil, parce que la petite caméra que j'utilise tout le temps, en fait, je ne peux pas me reculer. Donc, je me suis acheté un tout premier micro sans fil. Bon. La notice était en anglais, donc heureusement Maxime est venu me donner un petit coup de main. Et je le teste juste après pour vous parler du coup de ce fameux vol de mes jeux. Ouais, vas-y, je vais essayer. Ferme la porte, je vais tester. Je vais tester 1, 2, 3. Coucou, je vous retrouve d'un petit peu plus loin. Du coup, je teste en même temps le micro et en même temps, je vais vous parler. J'ai l'impression que tout fonctionne bien. C'est hyper bizarre. J'ai envie de mettre ma tête comme ça et puis de parler comme ça. C'est assez étrange. Hein. C'est la première fois que j'utilise ce genre de micro. Ça me donne l'occasion, en fait, de vous parler d'un truc. Ouh, c'est trop le bazar, là. Peut-être pas prendre cet angle de vue, là.
C'est l'occasion du coup pour moi de vous parler d'un truc aussi qui s'est passé dernièrement, c'est que en fait on a piraté mes jeux. Il y a eu beaucoup de contrefaçons qui sont passées pour le Tanis et pour le Reflet de Lune sur Etsy et sur AliExpress. Et curieusement, ça m'a pas fait grand-chose. Je vous avoue que, enfin, je suis allée voir, j'ai bien sûr signalé, j'ai commenté, tout a été fait, les jeux ont été retirés des plateformes. Voilà, d'ailleurs, je remercie beaucoup, beaucoup les personnes qui ont eu la grande gentillesse en fait de venir me prévenir. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est là où je me rends compte aussi à quel point on a une belle communauté entre nous. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de respectueux en fait qui s'est installé. Et c'est important, je trouve, de parler aussi de ces contrefaçons, de vraiment expliquer en fait à quel point c'est nuisible. C'est nuisible parce que qu'est-ce qui se passe quand moi je crée un jeu et que je le vends? À chaque fois que vous achetez un de mes jeux, c'est quelque chose qui va, en plus de me permettre de vivre, parce que concrètement, il faut bien avoir de l'argent pour vivre, hein, pour acheter, faire des courses. Moi, ça me permet aussi d'acheter mon matériel et ça me permet aussi de tous ces jeux que je vends me permettent d'investir dans les suivants. Si je ne vendais pas mes jeux, je ne pourrais pas vous créer de nouveaux jeux. Vous savez que faire fabriquer des jeux, ça coûte très cher, surtout en auto-édition, comme je le fais moi. Quand on fait peu d'exemplaires, parce que moi je publie à 1000 ou 2000 exemplaires chaque jeu, les grandes maisons d'édition c'est 10 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'est pas du tout dans les mêmes tranches de publication. Ils n'ont pas du tout du coup les mêmes prix aussi, forcément, hein, quand on fait plus on fait publier gros, et puis les prix sont à l'unité sont moins élevés. Sont plus bas, donc forcément, voilà, c'est autre chose. C'est une autre façon de faire, mais dans l'autopublication, le coût de revient d'un jeu est forcément beaucoup plus cher, d'autant plus que tout a énormément, énormément augmenté. Le prix du papier, le prix du transport, n'en parlons pas. Moi, j'ai fait en sorte vraiment d'essayer de pas augmenter les prix, de mes jeux, mais ça devient très compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Et donc, lorsque vous achetez un jeu, vous achetez aussi non seulement tout le travail qu'un artiste a mis dans la création de son jeu, les heures qui ont passé dans son jeu, mais vous achetez aussi la fabrication du jeu, le transport, vous achetez les matières premières qu'il faut pour créer un jeu, et vous investissez en même temps sur les jeux suivants. Puisque moi, c'est me donner à moi l'opportunité de publier d'autres personnes ou me donner à moi l'opportunité de continuer à vous créer des jeux. Chose que forcément, je ne pourrais pas faire si je ne pouvais pas avoir suffisamment d'argent pour créer des jeux ou me dégager du temps pour les créer également, pour les créer matériellement, les dessiner, les écrire, monter les livrets. Ça fait 1 an maintenant que vous voyez les studios vlog et vous voyez un petit peu toute la masse de travail que ça demande. De montage, de livret, de création au niveau des illustrations, de création au niveau du texte. Mais tout ça, c'est que la première partie, il y a toute la seconde partie où il faut négocier avec les imprimeurs, trouver les bons imprimeurs, faire des essais. Chaque essai coûte beaucoup d'argent. Enfin bref, vous l'avez vu passer tout au long de l'année. Et je pense que c'est important aussi de le montrer parce que quand on me dit, bah, tes jeux sont chers et tout ça, mais ils sont chers comparativement à quoi? Comparativement à une maison d'édition qui publie 10 000 jeux, c'est même pas comparable en fait. Le prix de revient d'un jeu n'est absolument pas comparable comparé à ce qui se fait dans la norme. Mais la norme quoi? La norme de l'auto-édition, finalement, dans la norme de l'auto-édition, un reflet de lune à 32 € ou un oracle des reflets à 40 €, bah 32 € c'est pas cher, 40 € c'est la base. En fait, dans l'auto-édition. Et il y a des jeux qui sont beaucoup plus chers que ça. D'autant plus avec toutes les finitions que j'essaie de vous faire à chaque fois. Chaque finition a un coût. Et c'est souvent très élevé, en fait. Je pense que c'est important quand même de se rendre compte aussi de ça. Et de pouvoir faire des bons comparatifs, de comparer, mais avec des choses qui sont comparables, en fait. Après,
J'ai vu hein, ce que c'était là, ces jeux qui étaient proposés sur Etsy, et quand on regarde, vous n'aurez pas du tout la même chose qu'un jeu qui a été auto-publié. Déjà, quand vous avez un jeu qui est une contrefaçon, la plupart du temps, vous vous retrouvez avec des cartes qui sont plus petites, de très mauvaise qualité, des finitions qui sont pourries, et une boîte, là je l'ai vu, Montanis, il est vendu avec une boîte en fer forgé, en fer forgé. Heureux, j'imagine même pas le poids du jeu, le poids de l'envoi, mais c'est une boîte en fer et dans la contrefaçon c'était une simple boîte en carton que vous allez mettre deux fois dans votre sac et puis ça sera fini quoi. La boîte elle n'existera plus après, elle peut pas prendre le moindre choc. Donc c'est important quand même de voir les différences, de voir un petit peu et puis de comprendre que c'est du vol, c'est du vol. C'est du vol, c'est quelque chose qu'on peut aller porter plainte à un commissariat. Si vous achetez ce genre de jeu, c'est pareil, hein, c'est quelque chose, bah, vous achetez de la contrefaçon, donc bah, techniquement, vous faites partie aussi de la gamme des voleurs. Et je pense que c'est important aussi de prendre sa responsabilité. C'est aussi sa propre responsabilité qui est engagée lorsqu'on achète des jeux en contrefaçon. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus d'encore plus un peu pervers dans le fait d'acheter justement des jeux dans notre domaine qui est en plus le développement personnel où on utilise des jeux pourquoi? Pour avoir des réponses sincères, pour avoir un accompagnement sincère dans notre quotidien. Et on va se tourner vers quelque chose qui est à l'inverse de la sincérité, qui est, on va utiliser un outil qui a été spoilé, qui a été volé, qui a été fait de façon pas du tout respectueuse, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si vous utilisez des jeux qui ont été faits en mode contrefaçon, c'est des encres qui sont polluables, c'est des usines qui forcément font appel à des gens qui sont sous-payés. Parce que ça a un coût aussi. Le prix du travail, il ne faut pas croire que parce que vous allez les faire hors de France, que ce soit en Union européenne ou hors Union européenne, il y a quand même des normes, il y a quand même des standards. Moi, je fais toujours très attention avec les usines avec lesquelles je travaille pour respecter ces normes-là. Si vous achetez un jeu qui vous aura coûté 5 euros, mais évidemment, vous allez utiliser du travail forcé, que vous allez utiliser du travail qui est du travail des enfants. Donc il y a toute cette énergie qui est reprise aussi dans ces jeux-là, et qui est un vrai drame, un drame environnemental, un drame social, et qui est au-delà de simplement l'artiste et son travail. Là, on parle vraiment de quelque chose de plus global et qui touche des domaines extrêmement difficiles, en fait. Et c'est tout ça, et on va utiliser un outil qui a été fait dans ces conditions-là. Comment vous voulez, en plus, dans le développement personnel, faire appel à ce genre d'outils, utiliser ce genre d'outils, alors qu'au final, c'est l'inverse de toutes les valeurs que vous voulez prôner en utilisant ces jeux-là. Enfin, moi, en tout cas, ça va à l'inverse de toutes mes valeurs. Donc, je trouve qu'on est en complet décalage. Et comment voulez-vous d'ailleurs avoir des bonnes réponses et un bon feeling avec ce genre de jeu? Comment vous voulez avoir une sincérité de travail dans une démarche qui à la base est pourrie, en fait. Parce que c'est ça, hein, je suis désolée, j'utilise peut-être des termes un peu forts, mais c'est complètement ça. C'est une situation qui est non viable, qui ne fait pas appel au vivant, qui n'est pas dans le sens du vivant, qui est même à l'opposé, en fait, qui est dans le sens de la destruction, parce que ce sont des drames qui sont aussi qui se jouent derrière ce genre de contrefaçon. Des drames sociaux, des drames environnementaux, des drames aussi personnels pour toutes les personnes qui vont se faire voler leur travail. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut mettre en lumière. Et je trouve que c'est quand même très très important d'en parler et de remettre les choses à leur niveau aussi. Vraiment, je tiens à remercier du fond du cœur les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont prévenu pour que justement je puisse aller dénoncer ça. Que je puisse en parler aussi. Vous, ce que vous pouvez faire, bien sûr, à votre échelle, en tant que consommateur, vous n'êtes pas que des consommateurs, vous êtes des consomme acteurs de la société. Vous pouvez consommer de façon raisonnable.
et pouvoir aller dénoncer aussi ce genre de choses, en parler autour de vous, ou quand on vous montre des jeux qui sont des contrefaçons, peut-être rappeler aussi tout ce qui se joue derrière ces contrefaçons. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. C'est aussi un rôle que vous pouvez avoir et que vous pouvez tenir, et qui va complètement dans le sens et dans la démarche aussi de soutenir des auteurs, de soutenir une façon de créer qui soit en bonne intelligence. J'ai mis du pain à lever. Hop. Sur le poêle. J'adore ça, faire du pain. Donc là, ça y est, c'est la deuxième levée. Ils vont pouvoir partir au four. Allez, c'est parti, je les emmène.